Bonsoir, vous êtes venu avec quoi? Good evening. What is that animal? It's one of the actors in the film. It's a vulture that has a role in the final sequence of the film. It's a film about animals, and we needed to bring an animal. So it's a little bit the march of the vulture. And it was the Dadaist artist Francis Picambiard who talked about the people with their smell of carrion. Oui, voilà, il va y arriver. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Very nice to be here. Un plaisir d'être ici avec vous. C'est un plaisir de vous parler. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la première fois qu'un raton laveur monte les marches? Non, j'y avais pas pensé, mais c'est tout à fait passionnant qu'un raton laveur soit accueilli au festival. Pourquoi est-ce que vous vouliez participer à cette production? C'est une comédie merveilleuse. Je voulais travailler avec cet ami de longue date et enfin, on en a eu l'occasion. Avril Lavigne, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre présence dans ce film? C'est un honneur, c'est mon premier film, c'est vraiment passionnant pour moi. Vous êtes dans deux films ici, dans Fast Food Nation et celui-ci. Ils sont très différents, ces deux films. Est-ce qu'il est important d'équilibrer vos activités? Oui, j'aime la diversité. On a vu tout à l'heure un film turc qui a beaucoup plu d'ailleurs. Grosse ovation à la fin de la projection. Et là, on enchaîne avec un blockbuster d'animation américain qui est sorti aux États-Unis et marche très très bien ce week-end d'ailleurs. Comment ça va? Ça va bien, je vais très bien. Vous savez que vous êtes le premier ours à monter les marches. C'est une bonne chose. Je pensais que Emir Kusturica était le premier ours à monter les marches. Palme d'or de Quentin Tarantino. Et donc Clovis Cornillac est juste derrière, vous verrez, ils ont la même coiffure. William Shatner est aussi de la partie. Nick Nolte. Les réalisateurs, Tim Johnson. Et Curry Kirkpatrick. Laurent Gérard, production DreamWorks, voyageant à travers le monde. De nombreux talents internationaux y participent. Avec nous également ce soir, Richard Kutsenko. Nous avons le plaisir d'accueillir les voix japonaises du film. Uji Yakusho. Et Boa. Bruce Willis qui prend la photo avec les voix françaises du film. Photocall cet après-midi, ils avaient l'air de bien rigoler avec Clovis Cornillac. Et toute l'équipe de nos voisins les hommes. Et donc le présenteur d'Orviège, le Tim Johnson est derrière la pratique. Et que l'on retrouve également dans un film en compétition dans ce festival.